You notice a shiver run through his feathered coat. Bah oui. Fear, a desperate longing for the safety of his nest. Je peux t'en faire, but moi, un nouveau nid. Mother is gone, taken. All that's left are these creatures. Bah c'est bon, elles sont mortes, les créatures. Lui tendre la main, il n'aura qu'à suivre votre trace jusqu'à votre campement dans les contrées sauvages. Oui, oui, oui. Bien sûr que oui, il approuve. Il n'y a que lui qui approuve. He's considering it. He runs away. Only time will tell if he'll reappear. Ah, d'accord. Wow, en plus ils ont le high ground. Oh, je suis caché ici. Est-ce que je peux? Non, je peux pas vraiment monter quelque part. Oh oui. Oh mais Astarion. Oh, il est. Il joue tout seul. Hein. Il joue tout seul. Ok. Karlak. Normalement, j'ai la portée. Parfait. Ah mais du coup, avoir une attaque gratuite, mais je trouve ça tellement fort. Ok. Impeccable. Après ça va être, c'est auquel? C'est celui-là. Donc il est menacé déjà. Waouh. Waouh. Et ça a fait mal, chef. Ignis. 19. Bah, j'aurais préféré le lancer sur quelqu'un d'autre du coup. Hein. 9 points de vie, 15 points de vie. Soyons 15. Et lui je peux pas l'atteindre. Normal. J'aimerais bien me mettre pour pas être touché. Déjà, mettons-nous dans l'ombre. Déjà. Voilà. Ça, on va le tenter. Ah, je peux pas? Bah, pourquoi je pouvais l'attendre avec mon perso, mais pas. Ok. Bon, bah, c'est toi qui vas prendre alors. Ah, mais 9, je trouve que c'est du gâchis. Ceci, ça fait une bonne attaque. Voilà. Check critique. Très bien. Bon du coup, il va focus. Oh, oh ça me va, ça me va, ça me va. Oh oui, bah mettez-vous près de Karlak. Comme ça, avec les gants. Ah bah oui, bah mettez-vous. Ah bah lui, il prend pas. Oui. Oh. Réagis pas, oui. Garde ton calme. Garde ton calme. Je suis vu. Ah, je suis à rien de pouvoir. Je vais me foutre là. Donc là, logiquement, je suis encore caché. Ah non, je suis décaché. Ok. Parfait, on se recache. Ready or not. Boum, lui il meurt instant. Et. Oui, je viens de chercher. Oh, j'arrive. Oh, j'arrive. Hop, on peut faire l'attaque bonus. Ah, dommage. Ah, quoique. Si, je peux l'avoir l'angle. Je vais avoir l'angle. Ouais, c'est fort. Hein. Ah, le niveau 5, il a. C'était un bon niveau. Hein. Ça, ça fait plaisir. Hein. Ah, ça fait pas plaisir. Ah, oui, parce qu'il y a une petite barrière. Ah non, c'est juste que. Faut viser. Un peu mieux. Oh, 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 oh. Ah, je sens tellement le. Ça fait plaisir là. La montée en puissance. Bon, c'est le principe, vous allez me dire, mais. Le ressentir comme ça. On va raser tous les gobelins quoi. Y a un coffre là-haut. C'est cool parce que ça ira vraiment à l'opposé de ce que je compte faire dans une autre partie. Il sera bien sûr de m'allier aux gobelins. Histoire de faire des galipettes avec Mintara, je l'espère. C'est vrai ça. Ah ouais d'accord, c'était juste un coffre à torche quoi. Impeccable. Donc ça se passe, ça se passe, ça se passe. On perd de la vie, mais c'est ok. Lui, il a été carbonisé, électrifié, tout ce qu'il veut. Vraiment tout ce qu'il veut. Ok. Donc oui, je disais, avant de déclencher un combat. Ah mais si, il y a encore. Ah oh, oui, il y a encore des chamans là. Ah oh, ouais. Ah bah ouais. Ah mais c'est. Oh non. En vrai, logiquement, elle m'attaque pas, Saza, vu que je lui ai sauvé la vie. Logiquement. Saza. Bah oui. Ça va?
Bah du coup je l'ai libéré totalement vu que j'ai tué Zaza. Ah. On va pas discuter. Zaza, ça va? Non. Peut-être parce qu'il y a du monde. On va s'occuper des gens qui gênent là. Ah bah oui, Zaza. Tant qu'à faire, hein. Vas-y, viens au campement. Il est où lui? Ça c'est un rat. Ah oui, il y avait le mec chauve aussi qui me mettait des coups de fouet là. Il est parti où le... Je suis pas fou, il y avait bien un deuxième truc rouge. Non? Bah non. Bah. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Très bien, donc là c'est là où on a libéré Volo. Bah ouais, j'ai... Non? Elle veut pas parler, Zaza? Zaza? Allez, allez, allez stun. Allez en mode... Bah... Je comprends pas. Je comprends pas. Vous étiez allé avec nous et... Ah ça va vite ça. Ça. On n'oublie pas bien sûr, c'était là. Les bidons. Voilà. Voilà. Crevasse rocailleuse. Impeccable. Projeté. Donne le petit bonus. Eh 18 hein, quand même. Oh, fais-moi rêver. Oh. Still breathing. Still breathing. Ok. On va tout prendre. C'est dommage que Zaza... Allez, poudre à canon. Ouais, ça c'est bien la poudre à canon. S'il fallait le dire, c'était le moment. Ok. J'ai pas vraiment vu du coup, mais... Ça. Voilà comme ça. C'est vrai qu'il y a moyen limite de en fait faire une aventure juste en utilisant les tonneaux. C'est vrai que c'est fort quand même. C'est même un peu trop fort. Hein. Pas se mentir. Il y a tout là, il y a de l'explosif, il y a du. C'est bien ça. Il y en a tellement. C'est the place to be. Hein. Par contre, ce que j'aimerais voir aussi, c'est des marchands. Parce que c'est bien beau de ramasser des choses. Mais si on peut pas les vendre, ça sert à rien. Crevasse, ok. Je vais pouvoir envoyer, envoyer ma main. Hop. Ok, donc c'est là où... C'est là où on était descendu. Impeccable. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, on a tout pris. Par contre... Ah, trop de galeries. Ah, d'accord, il y a un accès. Il y a un accès... oui, y a, là, il y a celle qu'on avait tuée. La chamane des chamanes. Impeccable. Et ben voilà. Bah là, pour le coup... Là, pour moi, il n'y a plus personne. Hein. Atteindre le col de la montagne. Ah, dans le petit trou, on peut atteindre le col par, la, par le petit trou. Ok. Ouais, donc là, on va pouvoir repartir... Enfin, aller dans les tréfonds. Tout simplement. Mais c'est dommage que... Là, c'est l'entrée. On puisse pas parler à Zaza. C'est qu'elle est buggée, ou... Je pense pas. Oh, attendez, si je parle avec quelqu'un d'autre. Non, non. Elle a pas envie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette porte, là, aussi. Ça menait où, ça? Ah mais ça rejoint peut-être le... Wow, wow, il y a une salle... Ok. Ah ça me met en surpoids ça. Bon la tristesse, je peux rien faire quoi. C'est quoi? Qui c'est qui scout là? Hein? Ah! Ah bah c'est les araignées de... J'adore le... Petite araignée géante. Ah par contre j'avais pas vu ça. Oups. Ah oui, c'est l'araignée de Mintara. Ou comment? Ou Zaza aurait pu finir. Ah, elle est tellement un endroit parfait pour pas se faire toucher. Ah ouais, c'est terrible. Ah, je vais tenter un... Je vais tenter avec lui. Ah, 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 ah.
Pourquoi je voudrais tuer les araignées? On s'en... Pour l'XP, on s'en... En vrai, on s'en tartine. Hein. On s'en tartine bien, bien fort. Hein. Hop. Après, ça pourrait peut-être bloquer Saza. Après, de toute façon, vu mes HP, je vais me reposer. Ah, mais 31 et 41. Ah ouais, allez, allez. On va faire ça. Hein. Alors. Est-ce que je peux passer là sans être vu? Est-ce qu'en vrai j'ai pas la portée là? Ah, de peu. De peu, de peu. Ah ouais, ah mais en fait j'aurais jamais la portée. Enfin si, mais... Non. Faut que je chante un... Faut que je chante un comme ça. Voilà. Parfait. C'est surprise, mais évidemment, je m'en fiche. Raté ? Into the shadows. Ok. C'est dommage que... J'ai réussi. Ah, je suis un... Je suis gêné par le... They won't know what bit them. Mais ça a mis réussi, et en fait, non ? C'est un peu bizarre comme le... Réussi. Je sais pas si c'est moi qui clique et du coup qui... Ça cancel un peu les trucs. Donc là, ouais, là j'étais caché mais elle m'a vu quand même. C'est... Ouais, en vrai je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Donc là, là elle me voit. Ouais, donc je... Ouais. Est-ce que je peux... Je pourrais mettre le feu à ça. Là je peux pas vraiment y aller. Je peux aller là. J'ai la range. C'est quoi, cache-toi. On va voir ce que ça fait du coup. Ouais, parfait, 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 parfait. Oh. Ah, mais elle est trop grosse. Non, c'est bon, elle peut passer. Je me suis dit, hé, hey, tu peux pas passer. Ok. Donc là, si je bouge, c'est terminé. Sauf que... Ouais, donc en fait, caché réussi, mais à chaque début de tour, on n'est pas caché, en fait. La cible ne doit pas être menacée. Ouais, ouais. Ouais, là, faut aider. Là, Will, faut aider. Si tu peux atteindre. Elle est presque morte. Oh, pourquoi ça. Dommage. Dommage, j'ai un raté. I can be subtle sometimes. I just want a little look. Ouais. Little look. Voilà, parfait. Fuck yes. Écarlac est rentré dans le combat. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là il y a un peu de feu. Sauf que je vais tout simplement me désengager. Faut pas que je me gourre. Voilà. Impeccable. Ah, je suis toujours menacé. Ah non, mais c'est que je peux pas. C'est quoi, prends ça quand même. Prends la deuxième aussi. Là, elle va jouer. Elle peut faire très très mal, elle, en vrai. Ouais, ok. Bon, on a contré le poison. Tu veux pas... Pourquoi ça, ça a l'air de rejouer, là? Ça fatigue, en vrai. Voilà, prends des coups, là. Prends ça aussi, là. Voilà. C'est vraiment un combat que nous deux, quoi. Voilà. Oh, en plus elle est à terre. Enfin. Ok. So much for peace. Allez, la finition par le chef. Ok. Something good here, I hope. Voilà. Ah, je suis encombré. C'est terrible. Ça au campement aussi, là. Donc. Mais vraiment, je crois qu'il y avait rien. Hein. Il y avait rien du tout. Hein. Hein? Ah bah qu'est-ce que tu fais là toi? Ah ouais. Mais il me voit là? Mais comment il me voit? Même moi je le vois. Ah ouais si. Oh. En vrai? Oh, ça serait beau. Dommage. Dommage, dommage.
Ouais, mais là tu me vois plus là. Ah, mais c'est la pièce où, d'accord. Oui, donc il y a encore des gens. De toute façon, là on est parti, je vais. Ce camp gobelin il va. Est-ce que je. Ah, ouais, on peut juste se mettre sur le profil en fait. C'est vrai que c'est pratique ça. On peut juste se mettre sur le profil en fait. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, nous disions, avant d'être gêné, il y a même pas un petit coffre ou quoi. Ouais, non, il y a que des squelettes. Hein. Très bien. Allez, on va finir les gens dessus. Il y a un gros monsieur. Est-ce que ça, là, maintenant que les araignées sont. Ça va, ça. Elle est vraiment. Elle est partie. Hein. Je sais pas où, mais elle est partie. Alors, on va faire gaffe. Ah, c'est bon, il y a que là-bas, là. Là, il y a l'œil. Il y a l'œil, on s'en fiche. Alors. Wow, wow, wow. Laisse-moi tranquille. Aïe aïe aïe. Caché réussi, mais. mais combat. Ouais, du coup, ça m'enlève du truc. Ok, ok. Ah, je suis pas en combat. Ah, si. Don't linger. Let's find some prey. Oh, j'avais pas la. J'avais pas la range. Now they see me. Ah. Ok, voilà, par contre, je vais prendre très 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 cher. Voilà, faut aller aider. Faut aller aider rapidement. Pourquoi? Pourquoi ça m'a dé. Ah! Qui me voit en fait? Ouais, là, je suis passé. Il a combien de points de vie? 97. Ah ouais, quand même. J'ai peut-être un peu abusé du bail là. Dommage. Oh, si. Oh, si, ça passe. Ok. Bah, de toute façon, ouais, obligé. Ah, mais du coup, ils sont contre moi, eux. Ah. Ah, ouais, ils décident de m'attaquer. Ouais, ils sont vraiment avec les gobelins, quoi. Ouh là là. Ça... Ouh là là. Ouh là là, c'est un combat compliqué, là. Oh là 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 là. Ok. Très bien, Will. Maléfice, aura de. C'est quoi l'aura? Il commande les gens. Les alliés proches, tant que l'on n'est pas hors de combat. Ok. Ah, sauf que là, on peut pas faire d'action, quoi. On peut pas faire d'action. On va essayer de. On va essayer de. De comment? De gagner de l'écart. Ouais. Ouais. Ça va pas être fou, hein. Ça, et je fais. Et j'active ma rage. J'active ma rage avant. Non. Je sais pas si ça cancel l'attaque. Oh, huge. Huge critique. Ok. Impeccable. Lui, il fonce. Bon, ça, c'est des petits. Ouais, c'est des petits bonhommes, ça. C'est des petits bonhommes, mais bon, ils peuvent faire un critique. Ils peuvent nous embêter. Pour rester poli. Par contre, je vais peut-être focus quand même le gros monsieur. Sauf que là, il n'y a pas vraiment d'angle où je peux me cacher. Me cacher. Là, j'ai pas la range. Si, si, je. Ah, en vrai, si. Si je fonce, je pourrais me cacher et attaquer. Possiblement one-shot lui. Lui, il est pas en combat, en fait. Hein. Lui, il est pas en combat, hein. Parce que là, je pense pas. Ah, quoi que là, là. Si le jeu est bien fait. Si le jeu est bien fait. Parfait. Oh, déjà, tu t'envoles. Est-ce que je pourrais pas en profiter? 19. Ok, il est rentré en combat. Bah, non, on va se cacher.
On va se cacher comme ça lui, ça le force à foncer. Ok, Carla qui est enragé de toute façon. C'est le gros monsieur, par contre le gros monsieur va taper fort. Hein. Il va taper fort le gros monsieur. Faut passer hein. Monsieur Huck là. Sans mauvais jeu de mots. Ok, allez. Ça va. Franchement. Ah, ça va bon là. Ouais, ouais, ouais. Ok, par contre il a... Ok. Ça a enlevé le commandement. On va jouer la potion, je pense, avec Will. C'est bon, là, je pense que t'as fait ton tour. Ouais. Je vais jouer la potion avec Carlac. Je peux le choper, lui. Ouais. On va faire ça. Parfait. Parfait, parfait. Je peux le finir, mais je meurs. Non, c'est bon, on joue avant le gobelin. C'est risqué, mais... Ah ouais, c'est vrai que je l'ai... C'est ouais, vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien, ça. Hein. Elle est tombée. Dommage. Elle est hébétée. Tranquillement. Enfin, elle est hébétée. Je me suis compris. Ne vous occupez pas des bêtises que je dis. Ah, il est tranquille, monsieur. Hein. Il est tranquille, monsieur. Je lui mets très bien une boule de feu dans sa tête, mais. Oh, les dégâts, hein. Huge. Hein. Ok. Il va jouer. Ok. Ah, salut. Ok. Intéressant. Ils prennent le high ground. Bien joué à eux. Moi, je suis derrière. Je vais focus. En vrai, je peux lui faire vraiment mal, lui. Hein. Je peux lui faire... Faut pas que je me gourre, par contre. Ou je tue le... Non, je peux pas l'avoir, de toute façon. Delicious. Huge. Huge, 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 huge. Une petite flèche en plus. Parfait. Et on va tranquillement se cacher. Ready or not. Parfait. Ah, il a pris... Il a pris cher. Il a raté, il a lancé dans le... Quel animal? Quel animal? Eh bien, il va avoir une action bonus qui... Okay. Wow! Oh, Will! Ça va, Will? Oh, il a changé de map, eh. Ok, ça me va, hein. Après, en même temps, ça le protège, hein. Là, il est pas touchable, hein. Enfin, faut que ça les force à se déplacer. Lui, il va jouer, ok. Ah oui, il prend le high ground du high ground. Ah oh, on aurait pu se faufiler et tout. C'est ça que les niveaux ils sont gigantesques. 19. En vrai, je pense qu'elle. Ouais, mais après, elle a plus que 5 HP. Mais ça, on joue avant. Donc, au pire, je peux lancer une potion. Là, un bon crit. Ou là, je prends la potion. Ah, 6. Bah, non, 6, je peux le finir en fait. Voilà. Parfait. Et en vrai. Ah, dommage. C'est dommage. Est-ce que je peux l'attraper? Est-ce que si je me mets là, vous pensez que... Ouais, non. Par contre, si je fais ça... Ah, mais ça sera mon action bonus. Mais au moins, ça va le mettre en... Voilà. En mauvaise position, on va dire. Hop. Trop loin. On va se rapprocher, hein. Two steps at a time. Voilà. Hop. Boum, boum. Oh, 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 oui. Ouais, si tu veux, si tu veux. Alors, ça s'enfuit là. T'es tout seul. Voilà. Allez où? Oh mais je la vois même pas l'autre. Madame, vous êtes où? Je la vois pas. Bon bah on va grimper hein. On my way. Hop. Est-ce que je peux lui mettre une petite flèche là? Non. Now they see me. Madame, vous êtes on peut pas. Ah bah ouais. Bah ouais mais elle est intouchable là. Ah si mais trop... Ouais bah tu m'étonnes. Comment je... Comment je fais là? Voilà. Hop 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 hop. Ouais hein. Ok. Un petit coup de dague et c'est fini. Ah! Un petit coup de dague et c'est fini.
Voilà. Oh! Hein? Bah non. Ah, ça devait être le gros monsieur. Je pense. Est-ce qu'on peut vite aider les gens? Moi je suis mort par contre. Va falloir me réanimer. Ça c'est technique. Hein. Quoi? Bah si, il est bloqué. Ah non. Ah bah non. Ah non. Oh non, le jeu. Si j'envoie tout au campement là. Voilà. Hop, dans la poche. Dans la poche. Voilà. Allez, s'il te plaît. Ah, j'ai pas envoyé, mais... J'ai envoyé mon parchemin avec. C'est pas grave. Ok. Bon. Bon, bah, je suis en slip. Hein. Je suis en slip dans un donjon... Où on n'a pas envie d'être en slip. Et un parasite. Ah, voilà. C'est bien, on va gagner de la puissance grâce à ça. Mine de rien. Bon. Ça. Le flagelleur mental, il n'y avait rien à looter. Parchemin de communication avec les morts, ouais, pourquoi pas. Pourquoi il y a une musique encore comme si on allait... Il y a quelqu'un là. Ok. Après, pour l'instant, les parasites, il n'y avait pas... Si, peut-être pour Astarion. Pour lui donner pareil que... Ah, tout ça, mais il faut vraiment que je trouve des vendeurs. Hein. Faut vraiment que je trouve des vendeurs. Ça là-dessus. Bah, ça au final, on avait déjà pris le trésor. On avait déjà fouillé tout ça. Ouais, là on est bon. Hein. Alors, le parasite. Parce que ça, on a pris ça. Le reste, en vrai, ça me. Ce sec des repos, ça. Si, ça en vrai, pourquoi pas. Ce qui l'empêche de vous. Avant son prochain tour. Ça a pas l'air de coûter... Enfin, c'est une réaction, quoi. Ça a pas l'air de coûter de mana. Ça, c'est court repos. Ça, c'est par tour. Sur un sort pour pouvoir lancer ceci. J'ai pas vraiment de sort... Ah bah si, le... Est-ce que c'est de la concentration? Ah non, c'est pas la concentration. Non. Après, pourquoi pas prendre un sort de concentration juste pour... Juste pour pouvoir utiliser ça, hein. C'est par tour de 6 à 36, je trouve ça énorme. Et en plus ça me soigne. Si ça fait des dégâts, la moitié de vos points de vie. Ah, hésite. Ah, parce qu'au final, ouais, je l'avais déjà tout donné en fait. Donc en vrai, pas encore maîtrisé. C'est quand que je les débloque surtout ça? Ah, faut prendre celui-là pour débloquer ça quoi. Par tour, court repos. Là, on a quoi par exemple? Une fois par tour, lorsque vous effectuez un jet d'attaque, le coup porté réduit la caractéristique correspondante de la cible de 1. Ah ouais. Pareil, ce qui confère une créature, ouais, bouclier d'esclave. Fait apparaître autour de vous, même. Oh, ok. Quand un ennemi à moins de 9 mètres lance un sort, vous pouvez utiliser votre réaction pour lui infliger des dégâts psychiques égaux à 1 plus 4 plus niveau du sort. Ah, oh, mais ça doit être. C'est pas précisé, genre, c'est à jamais ça? C'est pas par tour ou. Ah, ça peut être intéressant ça. Les créatures subissant des dégâts de chute en raison de vos actions encaissent psychique supplémentaire, ok. Des points de dégâts, court repos, ouais c'est moins... Ça c'est pas mal en vrai. Ouais en vrai pourquoi pas hein. De toute façon... Oh, c'est vrai que c'est dégueulasse. Hein. De toute façon voilà, je suis un magicien donc oui forcément il faudra que j'ai des trucs... Ça c'est bien en vrai. Hein. Je trouve ça bien. Et ça, quand vous amenez une créature à moins de points de vie... Que vous n'avez de pouvoir évoluer d'élitide, de pouvoir évoluer. Donc là j'en ai qu'un pouvoir, non? Ou ça compte 3? Ah c'est pouvoir. Donc j'en ai 3. Donc quand il aura moins de 3 points de vie, elle meurt aussitôt et toutes les créatures subissent. Oh! Ah ouais! Ah c'est pas mal ça! Là ça permet de, ouais, de finir et de garder une action pour partir sur quelqu'un d'autre. Donc du coup plus on a de pouvoir, plus elles sont... Ah ouais! Ok. Intéressant. Ça, ouais, intéressant. Ah, je commence à...
Ah non, mais c'est surtout que je suis en train de mourir. Ouais. Non, c'est que je suis en train de mourir. Tout va bien. Bon, par contre, va peut-être falloir se réveiller quand même. Parce que j'ai un peu froid aux pieds là. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Alors, normalement, j'ai ce qu'il faut. Je vais donner ça. Hop. Thank you. On s'approche des tréfonds, Gail. Ah, il y a Gratouille aussi. Ah, faudrait que je prenne une potion du coup pour lui parler à Gratouille. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Ok. Pas la peine, j'ai confiance en vous, vous avez intérêt à vous montrer convaincant. Bah allez-y, on est entre amis. I might just be about to remedy that. Oula. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. Yeah. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Soyez-vous en train de me dire que vous avez fait l'amour à une déesse? Voilà qui est audacieux, je connais peu de gens qui oseraient... je ne crois pas un traître mot. Apparemment, nous n'entrenons pas la même relation avec Mystra, vous et moi. It's fair to say her intimacy is not easily won. Nevertheless, I did. We enjoyed each other's company. Body. Faire des trucs avec les dieux, c'est jamais bon signe, hein. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Ah bah ça. Mystra keeps. Bon, déjà, j'aimerais toucher mes boules de feu. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Comment avez-vous essayé de les franchir? Vous pensiez en avoir en savoir plus que Mystra pour ce qui est de la magie? Vous êtes plus stupide que je n'aurais cru, je ne peux qu'applaudir. Difficile d'avoir un comportement plus hérétique pour un magicien. Non, mais comment vous avez essayé? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Ah oui, d'accord. I swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess. And yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Oh, bah on va tout écouter, hein. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal, roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured. And shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought, until, in the course of my studies, I learned of a book, a Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess. Ouais. Et quelle fut la réponse à cette question? Lui offrir des fleurs de chocolat, ça aurait pu être bien. Autrement dit, votre plan Grandoros revenait pour ainsi verser un verre d'eau dans l'océan. Et c'était quoi la réponse? The answer was to try. And the outcome was to fail.
I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Oula, on va voir tout ce qui est... J'espère que c'est pas dangereux, Gale, hein. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Ah ouais, d'accord. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Retirez-vous dans votre main, comment se fait-il que vous soyez encore en vie? Dieu, pourquoi me montrer ça? Quand je pense que depuis tout ce temps, je voulais... Non, mais comment vous faites pour rester en vie? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Oh. Ouais, oui, oui. Et on peut l'arrêter ou faut juste en permanence qu'il bouffe des items magiques là. This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Il se passe quoi? C'est inquiétant là. Continuez. I will erupt. Ah! I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Oh. Ne pouvons-nous rien faire? Je vous faisais confiance. Incroyable, vous avez pris le temps de vous demander ce qui arrive là. On peut rien faire du tout? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Off. Say the word, and we'll part ways. Non, non, mais tout va bien. Nous sommes arrivés ici, jusqu'ici ensemble, et c'est ensemble que nous continuerons. Il n'en saurait être autrement. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. Ah oui, on va pas... From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now... Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Allez, allons dans les tréfonds. Je veux juste voir. Ah, mais je pense qu'il me faut une potion de. Dog pants through a ball held firmly in his mouth. Oh! Tire sa balle pour le forcer. On va pouvoir jouer la balle avec lui. Me distraire d'une main pendant que de l'autre vous tirez doucement la balle pour la récupérer. Oh! Les feintes. Parfait. Je suis là. He relinquishes Hop the ball. Là. It is well chewed and slick with drool. Oh, dites-moi que je peux lui lancer. Dites-moi que je peux lui lancer. Le caresser. Bah, déjà, voilà. C'est un bon garçon. Bah oui. Bah oui. Dites-moi que je peux le lancer par pitié. Objet reçu, balle de gratuit. Oh bah c'est sûr. C'est un objet comme ça. Des morsures entendent. Alors attendez. Gratouille ! Elle va chercher Gratouille ! Oh là là ! C'est dommage qu'on puisse pas le prendre avec nous quoi. Ça serait stylé de faire ça sur les champs de bataille parmi les cadavres de nos ennemis. Mais bon. Donc là on est parti. On est parti. C'est mon broker, j'avais pas reconnu avec son petit casque. On va se reposer et on va aller dans les tréfonds. Par contre,
Bon, ça, on va garder pour Gale. Ouais, ok. Oui. Hop. Come on. Come on. Ah. Was he hiding? Ah bah oui, oh. On en est où, là? Can you summon the dead? Bring them back. Can you... can you shut up and let me read? Je n'ai rien dit, besoin d'aide? What? No, I'm fine. I was just perusing this little finder. Will you shut up? Oula. Forgive me. This book reads you more than you read it. Que voulez-vous dire? I mean it plays with your mind. There are secrets here. But the book has spirits. They fight you every step of the way. I barely opened it when they started whispering from the shadows. Okay. Now, every time I open it, the voices surge back into my mind. I can't reason with them. They exist to protect that book. Elle pourrait vous en débarrasser. Quel secret? Quel secret? I don't know. That's the point. The secret. Someone went through a lot of trouble to protect this tome. It has to be something more than a book of cantrips. Ah bah oui, je m'en doute, hein. I doubt this will help us with our parascience. Maybe it's better to put it aside for now. Oui, il vaut mieux se concentrer sur ce qui est le plus urgent. Continuez comme ça, peut-être que vous finirez par trouver un moyen d'y arriver. Qu'espérez-vous trouver dedans, de toute façon? It's a book of necromancy, full of secrets about controlling the dead, returning the dead to life, and who knows what else. Whatever's in here, it might give me an edge over Cazador. Ah ouais. Free me from him entirely. Although I can't make any progress as long as those spirits remember their mission. It seems to be all they know. Still, if nothing else, maybe I can beat Cazador to death with it. J'avoue. Donc. Hop, oula oula, ouais, peut-être pas. Ouais, les carottes, ça donne tellement en vrai. Petite baguette. Voilà. Ouais, parce qu'on peut parler aux morts. Oh! Oh oui! On peut parler à mort et, aux morts, et là j'ai un sort pour les. Faut que j'essaye d'ailleurs. Oh oui. Oh, faut pas rater, hein. Aïe aïe aïe, faut pas rater, hein. Aidez-moi, aidez-moi. Qui peut m'aider? Aidez-moi. Non, non, non! Oh non, mais là. Là, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas envie qu'il s'en aille, hein. Ah, miep! Oh non, c'est quoi ça? C'est... On croirait les uns de l'autre fois, là. Ouh! Ok. The cub tilts his head. He does not trust you. On sait sûrement pas voir d'utiliser les. L'inspiration pour ça, mais bon. On va rester à distance, du coup. Ah, ou je tente une approche? On reste à distance. Closer, hesitantly. Voilà. Oh my god! Look at his little beak! Oh, come here, you doll! Alarmed by your companion's approach, the cub turns tail and runs. Damn it! You scared it off! Bah, sans blague! Poor little beaky fella. Quoi? Il est parti partir? Donc là, j'ai perdu 2 points d'inspiration et j'ai pas l'oursibou avec moi? Ouais, Carlac. C'est trop, Carlac. C'est vraiment pas cool, hein. Bon, c'est pas grave. Buffons-nous. Ah, mais j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Ah, mais oui, j'ai mis ça, mais c'est pas pour moi, en fait, ça. Voilà. D'un coup, je pouvais plus faire de sort. Donc, je vais tranquillement buffer tout le monde. Et on va partir dans les tréfonds obscurs.